D'origine, je viens d'Australie, mais je voyage pas mal en Europe et j'aime bien Londres. Dans ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps à Londres. J'ai décidé de vivre ici un peu pour voir ce qui se passe, surtout avec le milieu street art, ça m'intéresse. Tu parles un français impeccable. Je ne dirais pas impeccable, mais oui, merci. Avec un accent australien toujours. Mais, voilà, merci. Tu as voyagé en France, tu as... Oui, j'ai fait beaucoup de voyages en France. J'aime bien France, j'ai des amis français. J'ai vécu à Paris pour 8 mois. Je suis artiste, peintre, et avec pas mal d'influence de la rue, où j'ai commencé quand j'étais un adolescent avec le graph, et avec une équilibrée avec le studio. Et juste récemment, je suis retourné pour peindre les murs dans la rue, sur la rue. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de travailler dans la rue en fait, plutôt que dans un atelier ou, Oh oui, c'est très différent. Peindre sur la rue, les imprévus, les conditions, le mauvais temps parfois, les choses que la texture, la qualité du mur. Parfois les fissures, les trous, c'est très très différent. Ma peinture pour la plupart c'est assez figurative, mais ce que je fais maintenant sur la rue, c'est je travaille toujours à la peinture à la bombe, mais c'est une sorte de pointillisme où je laisse couler la peinture pour beaucoup de l'écolier individuel qui forme l'image en totalité. Quand tu peins dans la street, c'est comme tu donnes l'art à le peuple. Les choses qui peuvent arriver après, c'est inconnu. Par exemple, je peux peindre ici aujourd'hui, demain, ça peut être recouvert. Mais moi, je prends ce risque. Je trouve c'est très fort le milieu de street art ici. Londres, c'est vraiment impressionnant pour le mouvement, l'énergie, le soutien, ou juste tous les gens qui participent dans ce mouvement de street art. C'est un vrai dialogue dans la rue, partout, les choses qui changent quotidiennement. Cette peinture, cette image-là, c'est une série que j'ai commencé à faire il y a un an. Un truc avec, ça c'est censé parler du sujet humain dans le contexte de la ville, mais le poids de la ville sur le humain. C'est très différent à l'approche en vrai. Il y a plus d'énergie, plus de... Tu vois les couleurs qui se mélangent, comme tu dis, mais... Quand tu vois les peintures de loin, ça donne quelque chose de différent. Tu voulais nous montrer autre chose aujourd'hui, c'est ça? Oui, j'ai quelques autres murs dans le coin. Parce que cette mur-là, c'était... Comme j'ai expliqué avant, je ne sais pas si cette mur, c'est autorisé ou pas. C'est un peu... Donc je le fais un peu à l'arrache, un peu vite fait, mais l'autre mur que je vais te montrer, c'est un peu plus grande, où j'ai pu prendre mon temps. Là, tu l'as fait quand, en fait? Je l'ai fait de septembre l'année dernière. Oui, je pense que les gens dans le quartier, ils aiment. Ils aiment bien, ouais. Ils aiment bien, ils l'apprécient. Donc, ouais, cool. Parce que si elle est là depuis un an, c'est que, oui, que dans le street art, souvent, ça reste pas longtemps. Exactement, exactement. Ça, c'est, ouais. C'est étonnant que ça dure si longtemps. C'est une forme de reconnaissance, finalement, si ça reste aussi longtemps. Oui, oui, c'est bien. Non, c'est excellent si les gens peuvent apprécier ce que oui, l'art dans la rue, s'ils le laissent, c'est cool. On est dans quel quartier, en fait, ici? On est dans le quartier de Shoreditch, mais ici, c'est Brick Lane. Ça a une spécificité, un peu, ce quartier ou... Oui, c'est très... Un quartier un peu populaire, très un peu branché, un peu cool, un peu bobo même.
C'est très typique East London.